Aujourd'hui, je vais raconter pour vous tous la suite des aventures d'Harry Potter, Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, pour faire un peu de connaissance avec ces pièces, c'est ce qui se passe 19 ans après la bataille de Poudlard. Alors, je vous préviens d'avancer que ce n'est pas un résumé du coup, mais quand même, je vais lire le premier chapitre. Attention, si vous ne voulez pas être spoilé des nouvelles aventures d'Harry Potter, changez tout de suite. Acte 1, scène 1. La guerre de King's Cross à Londres. La gare est bondée et plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de gens qui essaient tout d'aller quelque part. Au milieu de ce tohu-bohu bouillonnant et tourbillonnant, deux grandes cages barabales sur les chariots surchargés de bagages poussés par des jeunes garçons. James Potter et Albus Potter. Ils sont suivis de Ginny, leur mère. Un homme de 37 ans, Harry, porte sa fille Lily sur les épaules. Albus. Papa, il n'arrêterait pas de me répéter tout le temps de la même chose. Harry. James, arrêtons un peu. James. J'ai simplement dit qu'elle allait peut-être se retourner vers la Serpentard. Et c'est bien possible alors, sous les regards noirs de son père. Bon, d'accord. Albus, il lève les yeux vers sa mère. Vous m'écrirez, hein? Ginny. Tous les jours, si tu veux. Albus. Non, pas tous les jours. James dit que la plupart des élèves ne reçoivent des lettres de chez eux qu'une fois par mois. Je ne voudrais pas que. Harry, nous avons écrit à ton frère 3 fois par semaine l'année dernière. Albus. Quoi, James? Albus lance à James un regard accusateur. Ginny. Eh oui, il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte sur Poudlard. Il aime bien se moquer de toi, ton frère. James, il sourit. On pourrait peut-être y aller maintenant, s'il vous plaît. Albus regarde son père, puis sa mère. Ginny. Il suffit d'avancer droit vers le mur, entre la voie 9 et la voie 10. Lily, j'ai tellement envie de voir ça. Harry. Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de t'écraser contre le mur. C'est très important. Le mieux, si toi te craques, c'est de courir. Albus. Je suis prêt. Albus. Harry et Lily posent leurs mains sur les chariots d'Albus. Ginny se joint à James pour l'aider à pousser le sien. Et toute la famille se met alors à courir droit vers sa barrière. Alors, c'est fini le premier chapitre d'Harry Potter.